Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une abonnée m'a proposé de faire une vidéo sur le thème plats emportés pour le travail et j'ai trouvé très intéressant. Du coup, cette semaine, j'ai décidé de faire une vidéo sur le thème 5 repas emportés pour le travail à petit budget. Au fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Donc, c'est parti pour la vidéo. Oh, je viens juste de rentrer faire des courses. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette semaine. Alors, j'ai pris 2 paquets blanc poulet. Ils étaient en promotion, donc j'en ai pris 2 paquets. Une bouteille sauce tomate. Un paquet de carottes. Alors, un brocoli. Des échalotes. C'était pas cher du tout. Pour 250 grammes, j'ai payé 69 centimes. J'ai retenu le prix parce qu'elle n'était pas chère du tout. J'ai pris une boîte à tomates cerises. Alors, des courgettes. Au total, j'ai payé 18,36 €. Je n'ai pas acheté de féculents parce qu'il me reste tout ça de riz. Et tout ça des œufs. Et aussi lait de coco. Donc, je n'ai pas besoin acheter. Alors pour le premier repas, ce sera brochette poulet au saté. Du coup, j'aurai besoin de blanc poulet, sauce soja, poudre de saté, lait de coco, et ça sera accompagné avec du riz. Donc, je vais faire cuire beaucoup de riz parce que comme ça, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Alors pour commencer, je coupe la viande en petits morceaux. C'est pour mettre dans les brochettes. Pour faire cuire plus vite, je coupe un petit peu plus fin. Alors maintenant, je vais mettre 2 gousses d'ail que j'ai émincées très fines. Ensuite, je vais mettre lait de coco aussi. Je vais mettre 1 cuillère à soupe lait de coco, 1 cuillère à soupe saté, poudre de saté, 1 cuillère à soupe sauce soja. Un peu de sel, du poivre, et je mélange. Voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais mettre dans les brochettes. Je vais les faire cuire. Ça sent trop bon. J'ai l'eau dans la bouche là. Alors maintenant, mes brochettes commencent à sécher un peu. Je vais mettre un petit peu d'huile. Maintenant, mes brochettes sont bien cuites. Je vais enlever et je vais prendre. Je vais préparer une sauce. Donc, j'essaie d'enlever le truc cramé là. Juste le truc cramé et le reste, je gaffe parce qu'il y a du goût dedans. Comme il reste pas mal de sauce à l'assiette, je vais préparer une petite sauce pour les brochettes.
j'ajoute encore une cuillère à soupe lait de coco et un petit peu d'eau. J'essaye de rincer dans l'assiette pour récupérer tous les goûts. Ça sent trop bon. C'est assez salé, c'est bon. Voilà, la sauce est prête. Et maintenant, un peu de sauce. Ah, ça coule pas comme je le souhaitais. Pour finir, un peu de graines de sésame noir pour la décoration. Alors pour le deuxième repas, ça sera poulet au curry. Ça sera blanc poulet au curry. Comme il me reste encore lait de coco, du coup, je me suis dit c'est mieux de faire poulet au curry. Donc, j'aurai besoin de lait de coco, blanc poulet qui restait d'hier, deux échalotes, deux carottes, une courgette. Je pense que je vais mettre un quart de brocoli. Et pour finir, du curry. Et ça sera accompagné avec du riz qui me restait. Maintenant, je vais laver les légumes. Je vais émincer les oignons en petits morceaux, c'est pour faire revenir avec de la viande. Ensuite, je vais couper les légumes en petits morceaux pour faire cuire plus vite. Je vais couper comme ça. Et voilà, maintenant je vais couper la viande. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je fais revenir les échalotes en premier, de la viande, je fais dorer la viande et ensuite je vais verser les légumes et les de coco. Le brocoli je vais mettre à la fin parce que sinon ça fait la soupe. Le coco. Hop. Et je mets un demi-bouillon de poulet. Une cuillère à café curry. Un peu de sel. Et pour terminer, du poivre. Maintenant, je vais ajouter les brocolis. Et je vais laisser cuire à 5 minutes pour faire un peu blanchir les brocolis et ça me suffit. 5 minutes, normalement, c'est cuit.
Pour le troisième repas, du coup, ça sera poulet pané. Donc, j'aurai besoin d'un morceau blanc de poulet, une courgette pour avoir un petit peu de légumes dans le plat. J'aurai besoin d'un œuf, deux gousses d'ail, une échalote, de la farine et ça sera accompagné encore avec du riz. Alors, pour commencer, je vais râper la courgette en premier. Je vais transformer en spaghetti. Ça me permet de cuire plus vite et aussi gagner beaucoup du temps. Pour les nouveaux abonnés, si vous demandez où je l'ai acheté la râpe, eh ben, vous pouvez trouver sur AliExpress ou sur Temu. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes on m'a demandé où je l'ai acheté. Maintenant, je vais hacher échalote et l'ail. Et je vais couper le blanc poulet. Comme je vais faire poulet pané, donc je préfère les couper en deux. Comme ça me permet de cuire plus vite. Et puis, il faut bien cuire le poulet. Je vais casser un œuf. Je mets un peu de sel, un peu du poivre. Voilà. Alors ici, je vais cuire d'abord les courgettes en premier. Hop. La poêle, elle est bien chaude. Maintenant, je vais revenir échalote et l'ail en premier. Ensuite, je verse les courgettes. Hop là. Comme d'habitude, un peu de sel. Ça sent tellement bon. Voilà, ma courgette est cuite. Maintenant, je vais tremper dedans. Hop. Je vais verser un peu la farine ici, là. Et je vais retremper. Et maintenant, je vais les faire cuire. Et oui, encore du riz. Ça fait 3 jours que je mange du riz. Mais bon, comme j'en ai fait cuire beaucoup de riz, du coup, ça me dépanne bien parce que ça me permet de gagner pas mal de temps. Maintenant, je vais ajouter des légumes. Il faut manger beaucoup de légumes, c'est bon pour la santé. Ça, c'est pas mal. Pour la décoration, je vais mettre un petit peu de graines de sésame noir pour faire joli. Pour la quatrième repas, ça sera courgettes farcies à la sauce tomate au poulet. Du coup, j'aurai besoin des blancs poulets. Par contre, je ne vais pas tout utiliser. Une courgette, une carotte, une échalote, des persils du jardin et du thym
du jardin aussi. Et pour terminer, sauce tomate. Je viens juste laver la carotte et la courgette. Du coup, je vais couper la courgette en 4. Avec la cuillère, peut-être c'est beaucoup plus rapide. Voilà. J'enlève au milieu, comme ça je vais mettre la viande dans la courgette. Maintenant, je vais couper la carotte en petites cubes. Et je vais couper aussi le pédoncule de courgette. Je ne sais pas si on appelle pédoncule. Maintenant, je vais hacher les échalotes et je vais mettre 2 gousses d'ail aussi. Maintenant, je vais hacher les persils. Et voilà, et je vais couper la viande en petits morceaux. Je vais mélanger un peu de ça aussi pour faire joli, un peu de sel, du poivre. Maintenant je mélange. Ah oui, j'ai oublié de mettre la sauce tomate, un petit peu de sauce tomate. Je vais verser toute la sauce tomate parce que je vais cuire tout dedans. Regardez, c'est trop beau. Je vais tout verser dedans. Hop. Je vais mettre aussi ça. Et maintenant, je vais mettre mes courgettes farcies que je vais cuire dedans. Avec quelques thym dessus. En fait, j'ai oublié de vous dire que chaque repas, je prépare une repas pour 2 personnes. Alors maintenant, ma sauce tomate est cuite. Je vais essayer de mettre comme ça. Hop. Un peu de sauce tomate. Ça cache tout en fait. J'ai mal rangé en fait. Fallait mettre sauce tomate d'abord. Hop, oh là là, catastrophe.
les mettre sauce tomate en premier. Ça fait un peu plus joli. Pour la décoration, je vais mettre des thym. Pour la dernière recette, j'ai décidé de faire salade de riz. Du coup, j'aurai besoin des tomates, du persil, une échalote, 3 œufs. Je pense que je vais mettre que 2 œufs, c'est mieux. Et des blancs poulets qui me restaient. Hier, c'était la date péremption, du coup, je les fais cuire. Et maintenant, je vais transformer en salade de riz. Alors, pour commencer, je vais faire des omelettes en premier. Mettre un peu de sel et voilà, je mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est cuit. Je vais couper. C'est trop bon, j'adore ça. Hop. Alors maintenant aussi échalote. Alors des tomates, du persil, le blanc poulet et la sauce que j'ai déjà préparée. C'est la sauce vinaigrette. Maintenant je mélange. Un peu de persil pour la décoration. Hop. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Je vous souhaite passer de bons week-ends et je vous fais des gros bisous.